Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour du Bujumbura Souls, bien évidemment. Bon, donc, on va faire la quête de suppression de limite du mois de mars 2024. Donc, on va voir comment on va s'en sortir. Ok, alors, sachant que j'ai pas invoqué récemment, donc bon. Ça se trouve, ça va demander spécifiquement d'avoir des personnages qu'on n'a pas trop, mais bon, on va essayer de voir. Tueur de holo en attaque rouge. Ok. Est-ce qu'on a ça? Alors les personnages comme ça, notamment notamment dans ce mode de jeu, c'est compliqué. Je préfère avoir des personnages pression spirituelle. J'ai l'impression que c'est un peu plus simple à manœuvrer. Parce que les notes, faut quand même enchaîner les attaques standard, quoi. Donc bon, je pense que le personnage, et puis en plus notamment au corps à corps comme le cas, c'est et puis bon, le Machiro c'est pas un personnage qui est pour faire le maximum de dégâts possible, bien sûr. Donc bon. Je vais peut-être essayer de voir ce qu'on peut faire avec le Byakuga. Ça me semble potentiellement pas si mal que ça. Donc on verra bien comment les choses se passent. Est-ce que oh, j'ai cette dotée de connaisseurs. Ok. Je vais le sauvegarder parce que c'est un petit peu mieux. Ok. Impeccable. Et au niveau des Garalinks, alors est-ce que j'ai les liens correspondants? J'ai des liens de perfection. Ok. J'aurais peut-être dû placer les liens en dernier pour savoir si jamais j'avais des unités qui pouvaient faire de la restauration de points de vie pour le groupe. Au niveau de l'emplacement 2. Les forces des tueurs d'Arrancar, il y a du gel. D'accord. Affinité force. Ok, j'ai pas la bonne couleur. J'ai pas du tout la bonne couleur. Résistance au gel. Soin étendu. Alors c'est peut-être le personnage qu'il me faut. Ça me semble être le cas. Ok. Donc il y a du soin dans son kit, donc on peut techniquement et potentiellement se poser la question de mettre des sous-traits de perfection. Ok. Alors, faudrait le maximum de temps de recharge également. Puissance rapide. Il y a perfection dans les. Ah, ok. Donc, si jamais on fait la puissance rapide. Une correspondance parfaite. Alors, 12, 12, 12. Ah oui, j'ai que cela.
Ok, pas de problème, pas de souci. Alors, je vais remettre comme c'était avant, sinon je vais être un petit peu perdu. Ouh là, il faut que je désactive perfection. Ouais, ok. Je sais pas si. Parce que genre, les ondes comme ça prend beaucoup de temps de recharge. Donc je ne sais guère. Niveau de l'emplacement 3, on signale juste qu'il y a du feu et il n'y a pas vraiment de bonus. Ok. Sorte de Shingami. Attention, feu. On va quand même prendre un personnage avec la bonne couleur, sinon ça va pas le faire. Conditions non satisfaites. Le spécial feu. Est-ce que c'est parce que. C'est peut-être parce que j'ai pas T10 les persos. Ah, c'est possible. Ok. Ouais, Brûlot me semble pas si mal que ça. Après, Bruno subit le feu. Donc, peut-être pas de. Ok. Est-ce que si on entame d'autres personnages? La rosée, je sais pas si c'est la panacée non plus. Le Shinji, est-ce que t'as une résistance au feu? Pas vraiment, j'ai l'impression. Fléau des coups. D'accord. Ok. Ok. Bon. C'est peut-être. Peut-être pas si pire. Même accessoire a été utilisé, du coup on va en prendre des différents. Hop, il me faut une autre casquette, celle-ci par exemple. Pof. Donc là du coup, cependant, je pense que de par les faits que tous les liens de perfection sont déjà pris par là, bien, on va peut-être tenter. Je pense que je vais faire temps de recharge. Et vie elle est en toute perfection que je pourrais mettre. Par exemple, pour remplacer la Soifone, par exemple. Tapis de l'altération d'état. Donc déjà on va mettre la Yoruji, ça c'est certain. La combinaison anti-feu, mais est-ce qu'on a vraiment envie de faire ça? Je vous le demande. Je vous le demande parce qu'il y a toujours l'opportunité d'avoir un petit Byakuga quand même. Part sur une optique de perfection avec la Inoue peut-être. Vous savez quoi, on tente. Tente. Ah oui. J'ai oublié de dire, bien évidemment.
Ah. Ce pourquoi on se fait le mode de jeu, donc c'est pour voir des éléments bien sûr de suppression limite ici, et donc c'est notamment pour essayer de retirer au niveau de la sixième insigne. Donc lorsque vous passez SP5, vous obtenez un emplacement supplémentaire ici là à ce niveau, et donc la monnaie qu'on essaye de récupérer notamment, bah, ça permet de relancer si jamais celle qu'on a ne nous convient pas. Quoi qu'il en soit, c'est ça, le dernier étage où on obtient des orbes, c'est le niveau 7. Donc on va essayer d'atteindre et de passer outre, comment dirais-je, ce niveau en orbe aussi. Si jamais on y arrive, je pense que je serai très content. Alors je me questionne sur le fait que si est-ce qu'on a vraiment besoin d'augmenter la Rukia. Je suis un petit peu léger au niveau des rouleaux de. Je crois que c'est les rouleaux de quintessence là, ce. Qui permettent de monter au niveau max un élément, mais bon. On va essayer comme ça, on va essayer d'atteindre le palier 7, on va essayer de voir un petit peu de quoi il en retourne, et puis c'est parti. L'impression que le pauvre Byakugan manque un poil de peps. La Rukia, par contre, cependant, j'ai envie de vous dire, ça déroule. Ok. Là, normalement, avec les liens, je m'embête pas avec le feu qu'il y a au sol. C'est peut-être. Peut-être pas une si mauvaise idée que ça. Parce que là, je m'aperçois qu'il y a du poison. J'essaye de nager en dehors des vagues. Ah punaise, je suis tombé dedans. Ok, donc là, du coup, j'ai perdu toute la perfection. C'est la catastrophe absolue. Mal dans le poison. Ok, c'est. Je pensais que c'était le Byakuga qui allait dérouler. Cependant, j'ai quand même beaucoup plus l'impression que c'est lui celui qui s'en sort potentiellement le moins. Peut-être que. Je ne sais guère, je ne sais guère. Ok. On essaie d'y aller. Si l'absence d'altération d'état, peut-être c'est un léger frein au niveau de la quantité de dégâts qu'on peut potentiellement infliger éventuellement. Là, c'est les fameux gros balourds, donc là il faut essayer de tout donner. Ah, mince. Ok, donc on est bloqué en 6, et donc ouais, là on constate que c'est notamment
de Byakuya qui peut potentiellement poser, comment dirais-je, qui n'est pas suffisamment puissant pour les vagues. On est obligé de servir d'un personnage de l'affinité vitesse. Non, attendez. Parce que peut-être que j'ai un. Attendez, essayons de reprendre. Tueur de holo. J'ai l'impression que c'est ça, c'est-à-dire que. Ah oui, d'accord. Positions non satisfaites ou quoi, etc. J'ai l'impression que c'est que les T10 qui sont disponibles. Ok, il y a peut-être peut-être des options que j'ai pas trop vues. Attendez. Attendez. Donc tueur de holo, d'accord. Ok. Et donc ils sont techniquement en attaque rouge. Des personnages bleus bien évidemment. Attendez. Attention poison. Personnage bleu. Attendez. Donc tueur de holo avec des attaques rouges. Ok, donc le personnage le plus récent que j'ai, c'est qui s'appelle Charlotte. Résistance au poison. D'accord. On a également cette Ishin. Distance au poison également, ok. Assez curieusement, il y a quand même un thème qui se dégage. C'est qu'ils ont tous plus ou moins une résistance au poison. Ce qui est quand même, ce qui est quand même assez, assez cocasse. Donc oui, pour ceux qui se demandaient, c'était pour essayer de voir ça, les 20 000 points. C'est ces points-là qui sont. On essaye de farmer justement. Alors, le Ulquiorra. Par contre, le Yamamoto, parce que. Il a un sous-trait de perfection. Et. Résistance au gel et résistance au feu. Ok. C'est totalement leur accurate, on va dire. Et cette Yoruchi. Donc en fait, on est dans la situation où potentiellement les personnages les plus préparés sur le papier, ce serait potentiellement cette Ishin ou cette Charlotte. Donc talent aux charges, ok. Esquivaliner, ok. Alors attendez, attaque renforcée des capitaines vitesse. Bénédiction, tac. Et cette Charlotte, elle a une strong 2 de division de résistance. Avec le sap. Okay, donc ça pour. Je sais pas. Étant donné que le Ishin est déjà niveau 200, je pense qu'on va tout simplement. Le basculer T10.
a un petit peu de marge au niveau des écus et même au niveau des potions. Je crois qu'il m'en sert, il me sert également lors d'une des tours, donc c'est peut-être pas si grave que ça de... je vais m'en servir. Et est-ce qu'on prend le temps de tout donner à Starry? Allez, vous savez quoi? On ne vit qu'une fois. Pas jusqu'au bout. Peut-être que cet Ishield va nous sauver et nous permettre de passer à un étage supérieur. Après, peut-être que Charlotte aussi avec les bonnes strong peut également nous sauver. Sa strong 2 par exemple. Rouge, tueur de holo, ok. Et de résister au poison. Ok. Ok, voyons voir si si ça fonctionne. Voyons voir si cette, si, cette configuration fonctionne. Ok. Pour l'instant, sachant qu'on va pas être embêté par les effets de poison, etc. Alors qu'avec des Kuga, j'avançais un petit peu au compte-goutte. C'était un petit peu compliqué. C'est pas un plaisir de nager dans les effets néfastes sans les prendre en considération. Par exemple, là, j'étais quand même assez embêté au sol, tandis que là, je peux allègrement me baigner dans la fac de poison. Parce que Ishin est entièrement immunisé à cet effet. Et... Alors, j'espère que je vais avoir assez de dégâts cependant. Je peux pas trop lancer des attaques standards, puisque je m'expose énormément. Si jamais je peux potentiellement éviter de perdre la perfection de manière instantanée, ça peut être pas si mal. Donc, voilà. Et... En vrai, c'est pas si mal ce mode de jeu là de suppression de limite. C'est un peu compliqué. Malheureusement, j'ai l'impression que pour passer les derniers niveaux, ça aide énormément d'avoir le bon personnage, etc. qui est sorti. En général, c'est les une ou deux bannières avant, quoi. Mais bon, et pourquoi pas. Je crois que c'était ici que mon aventure s'était terminée lors du premier passage. Donc, on verra un petit peu ce qu'il en est. C'était là. Est-ce que. Oh punaise. On a perdu la perfection, c'est génial. Ouais, je crois qu'on est obligé de lancer un. Ok. Non, mais je pense que ça peut le faire. Je pense que ça peut le faire. J'ai l'impression que pardon, Isshin est un peu plus rapide que le Byakuga. Donc les modificateurs sont quand même extrêmement vénères, hein, parce que Byakuga est quand même sur le papier un petit peu meilleur que cet Isshin. Mais Isshin a l'air de correspondre parfaitement à tous les critères qui sont requis pour faire cette quête. Hop là. Hop. Pourquoi ça, les personnages qui ont des sous-traits de résistance, par exemple au feu ou quoi, etc., j'en ai mis quand même pas mal. J'en ai mis deux sur
sur notre ami Bruno. En vrai, c'est vraiment pas mal du tout. J'aime beaucoup. Petit peu dépanné. Impeccable. Attention d'esquiver les attaques sismiques des gros bras. Ok. J'évitais de consommer la grosse caisse dès le début. Notamment lorsque je me rends compte que je vais me battre face. Ok, donc c'est au niveau de la troisième vague. Il faut que je taille mieux mon ulti. Il faut que j'en réussisse à mieux timer. Ok. Qu'on peut le faire. Il manque un peu d'exécution. On n'est pas irréprochable malheureusement, donc un petit peu plus compliqué. Hop, attention, attention, attention. Par contre, la Rukia, elle se balade, hein, tout va bien. C'est au niveau de la vague 3 qu'ils apparaissent les dangereux. Peut-être que j'essaye de trop m'avancer. Ah, je sais pas, parce que en vrai, je pense qu'il y a moyen techniquement d'atteindre le palier 7. Pense qu'il y a techniquement moyen.
que si je passe en T15 ou alors que... Oui. Ça porte un petit peu du 2 stats. Je sais pas trop. Bon, écoutez, je crois que la vidéo fait elle fait d'ores et déjà 30 minutes. Je pense que je vais faire une dernière run ici. Et puis si jamais ça passe pas. Mais ça passe pas, il y a quand même pas mal de perfection. C'est juste ici, à mon avis, je pense que j'ai pas d'autres liens de perfection. Ouais. Ouais. Et si on nous concentrait quand même, c'est pas cet étage-là, mais c'est à l'étage 7. J'ai l'impression que c'est à l'étage-là où la difficulté commence à intervenir. C'est peut-être logique que quelque part on a le deuxième palier d'or à ce niveau. C'est certainement pour ça que ça se passe comme cela. Ok. Allez. Ok, j'attends un peu pour pas exploser la caisse. J'en aurais peut-être besoin. Donc vague 2. Ok. Si je fais une stratégie où en gros je lance une strong, j'essaye de tournoyer comme ça autour de mes adversaires. Oh punaise de hop. Faudrait que je trouve le timing également pour aller détruire la caisse, mais je vous avoue que c'est un peu technico-technique là en fait. Oh bon sang de bonsoir. Ok, on a réussi à passer. Ok. On a le mur au niveau de Rukia qui va commencer à se définir un petit peu. Et bon, vu que Rukia et Rukia, un personnage qui vient tout juste de sortir, ben évidemment, un stage d'une très haute qualité, bien sûr, et de type pathoïdalement. Personnage qui n'a aucun sens au niveau des dégâts qu'il apporte, on passe tout seul.
Et là, je pense qu'on va sans doute s'arrêter au niveau de ce Bruno qui, envers les grosses unités, aura techniquement des petites difficultés, bien évidemment. On a obtenu les ordres. Donc, ce sera toujours ça de prix. Ok. C'est ceux qui ont l'équilibre. Ok, j'ai déjà brisé la base pour essayer de réduire les coups d'armes. Je pense que la stratégie, c'est de faire des roues à côté. C'est uniquement des unités corps à corps, donc c'est pas mal. Peut-être que je vais réussir à les avoir aussi également avec le debuff d'affaiblissement, je crois que c'est qui fait partie des meilleurs debuffs du jeu, bien sûr. Et on n'a pas réussi à atteindre l'étage 9. Mais c'est quand même pas mal. De toute façon, on a réussi à obtenir les orbes. Moi, ça me convient, honnêtement. Le fait qu'on passe l'étage de la Rukia, c'était que du bonus. Bon, honnêtement, ça a été simple comme bonjour. Rukia, incroyable. Quel perso incroyable. Même avec les gros monstres qui ont l'équilibre ou quoi, ou qu'est-ce, bah c'est excellent. Et puis, ouais, Ichin qui finalement nous a quand même beaucoup aidé sur ce mode de jeu. Aidé à gratter les 25 orbes, c'est toujours ça de prix. Ok. L'augmenter comme ça, si jamais on a besoin de l'avoir ou quoi, c'est au moins il est là. Il est déjà T15, paré au combat. Donc c'est pas plus mal, on va dire. Dépenser des petites super potions pour gagner des orbes, je pense que c'est pas si mal, étant donné qu'en plus le Shin, je pourrais m'en servir par la suite. Ok. Et bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo, donc on a réussi à atteindre l'étage 8 du coup. Donc voilà, en espérant avoir pu vous aider ou du moins montrant ce que je fais, vous donner des idées pour vos quêtes pareil. Et puis bah, j'espère que ça vous a plu. Et puis bah, je vous dis à très bientôt.